était mon camarade s'entraînait, et là je vois passer, enfin je vois quelque chose, on va dire un grand fuselage d'avion, on va imaginer ça comme ça, enfin un grand cigare avec plein de hublots. Et alors une luminosité à l'intérieur extraordinaire. Je veux dire, on pourrait presque dire la lumière divine, vous voyez, quelque chose de très éclatant. Абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, вот эти самые зеленые человечки. Марьян, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей «Чемодан с ядерными кодами» президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Un groupe d'ufologues russes a réussi à obtenir ce film de l'armée de l'air soviétique. Il a été rendu accessible par le ministère de la Défense soviétique juste avant l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin. Voici une vue prise du cockpit d'un chasseur MiG-23 qui a décollé en urgence pour intercepter deux éléments inconnus. Voici maintenant les deux éléments qui semblent se confondre. Voici le même plan au ralenti. Ces caractéristiques de vol sont loin d'être typiques des caractéristiques de vol des appareils de l'OTAN ou de tout autre appareil ordinaire. Ce que nous allons voir est un F-16 américain à environ 200 mètres. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un nouvel objet apparaît derrière les nuages, un objet qui n'est pas identifié. Voici à nouveau l'avion américain à la même altitude que le MiG. Et voici l'objet qui surgit derrière le F-16, qui descend et entre dans la couche de nuages. Ce dernier extrait de film a été pris cette fois-ci du cockpit d'un MiG-21. L'avion qui a filmé a fait un décollage en urgence avec trois autres appareils pour intercepter un appareil inconnu, volant à très grande vitesse, qu'on voit ici sous la forme d'un grand objet cylindrique. À l'approche des avions russes, l'OVNI accélère soudain et disparaît. Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. Decided that, with absolute certainty, that four different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. Alors en juillet 1952, je n'étais pas encore pilote de chasse, j'étais élève pilote sur T6. Une voix neutre qui nous a dit que des observations étaient en cours d'engins inconnus au-dessus de la Maison Blanche, en pleine zone interdite, et nous a demandé de ne pas quitter l'écoute, tout en précisant que les émissions sur l'ensemble du territoire des États-Unis avaient été coupées. Au bout de trois quarts d'heure environ, nous avons appris que nous n'avions plus lieu de nous inquiéter sans aucune autre explication. Une espèce d'engin à 45 degrés d'inclinaison, j'ai fait le dessin là,
Voilà, c'est incliné comme ça. Et là, avec cette inclinaison-là à 12 000 mètres, enfin, il était un peu au-dessous, il était à 10 000 à peu près, hein, ben, l'avion, il décroche. Hein. La limitation d'inclinaison d'altitude, c'est 25 degrés, c'est à peu près ça. La taille de l'objet étant gigantesque, hein, on aurait dû, avec notre petite Alouette 2, qui est un petit hélicoptère magnifique de rocoptère, mais qui date maintenant, on aurait dû être carrément, on aurait dû se cracher. On voit cet hélicoptère, c'est vous. C'est nous. Et tout d'un coup, voilà, c'est exactement ça. Et que des avions de chasse qui avaient décollé un petit peu en retard, des avions intercepteurs, avaient finalement établi un contact fugitif avec les intrus. Que faisaient ces intrus? Eh bien, ces intrus étaient capables de manœuvres qu'aucun avion de chasse de l'époque aurait pu réaliser. Des accélérations considérables, des arrêts sur place, des virages en épingle à cheveux, et en fait, un véritable carrousel de manœuvres impossibles. Il semblerait, d'après les documents qui sont maintenant déclassifiés, d'après aussi des témoignages qui ont fait l'objet d'affidavits, c'est-à-dire de déclarations devant juges de paix, que des récupérations ont eu lieu en juillet 1947 au Nouveau-Mexique. Des récupérations de deux engins qui étaient de facture complètement inconnue et qui ne pouvaient pas être des engins, des avions de chasse ou des avions de transport de l'armée américaine ou moins encore des avions civils. La totalité des documents qui concernent la base de Roswell entre 1944 et 1950 à peu près, qui ont disparu des archives. On ne sait pas où ils sont passés. Ce sont des documents permanents, comme par exemple la totalité des mouvements d'avions sur la base de Roswell pendant cette période. Tous les documents ont disparu. On n'en parlera pas aux informations télévisées à 1h de l'après-midi ou le soir, ça ne sera jamais pris au sérieux. Quoi. Tant qu'un ministre ou un président de la République révélera que c'est officiel, etc., ce ne sera jamais pris au sérieux par une grande majorité du public. Il y aurait un changement, un bouleversement considérable dans l'attitude des civils, de l'ensemble des gens sur Terre. Et entre nous, je ne pense pas que ça soit la fonction d'une commission aussi prestigieuse soit-elle, ou d'une société savante aussi prestigieuse soit-elle, de prendre des décisions dans ce domaine. Il me semble, mais ce n'est qu'une opinion personnelle, que c'est au peuple lui-même et à ses représentants de prendre une telle décision. Qu'ils sachent néanmoins que le jour où ils voudront savoir, toutes les informations sont mises à leur disposition. Et elles existent.